Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Alors aujourd'hui, nous allons voir quel niveau technique faut-il pour commencer une formation de moniteur de snowboard. Alors tout d'abord, cela va bien évidemment dépendre de la formation choisie, même si en général le niveau est assez similaire pour chacune des formations existantes. Effectivement, pas mal de personnes se posent cette question, quel est le niveau nécessaire pour pouvoir commencer une formation ? Peut-être que vous vous la posez et effectivement, cela peut vraiment aider à savoir si nous sommes prêts ou non à commencer une formation. Comme je l'ai déjà expliqué, pas mal de personnes ont une idée fausse du niveau qu'il est nécessaire d'avoir pour commencer une formation. On peut souvent entendre des trucs du genre « Ouais, lui, il est moniteur, ça doit être un pro, hein. Ouais, je crois que il y a le test, l'euro test technique, un truc comme ça à faire. Non, c'est des pros, les mecs. » Alors, pour préciser les choses à ce niveau-là, sachez que toutes les formations commencent par un niveau accessible, un niveau relativement accessible. Effectivement, cela va dépendre du centre de formation que vous choisissez, du pays dans lequel vous suivez la formation. Mais en règle générale, le niveau est relativement accessible et je dirais même parfois trop accessible. Concrètement, quel est ce niveau nécessaire pour pouvoir commencer une formation? Vous voulez une idée, non? Est-ce que vous êtes prêt à commencer une formation? Est-ce que vous n'êtes pas trop loin? Ou est-ce que vous êtes complètement perdu à la rue? Prenons l'exemple de la formation suisse. La formation suisse, dont le standard est relativement élevé, est bien reconnue à l'international. Le niveau minimum requis pour la Suisse est le niveau King ou Queen de la Red League. Alors King, Queen, Red League, j'imagine que ça vous parle pas beaucoup. Donc je vous invite à aller visionner la vidéo officielle grâce au lien que je vous ai mis dans la description. Pour ne pas se baser uniquement sur l'exemple suisse, vous trouverez également grâce à ce lien une démonstration du niveau à avoir pour valider le niveau 1 en Nouvelle-Zélande. Donc le niveau 1 avec SBANZ. Alors voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le niveau technique nécessaire à avoir afin d'envisager commencer une formation de moniteur de snowboard. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager. Et quant à moi, je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !